la planète, on vient voir la sauveur. Là, eh ben, c'est une surprise de me voir là, non? Hein, pour aujourd'hui. Bon, eh ben, je m'appelle Denis, Denis Maslia. Et je suis le créateur d'un jeu qui s'appelle Qui veut sauver la planète, autour duquel j'ai bâti un programme d'animation pour les enfants, entre autres. Et le but de ce programme, c'est de vous apprendre plein de choses sur l'état de la planète, comment elle va. Maintenant, on va commencer notre partie de jeu Qui veut sauver la planète, où donc vous allez vous rencontrer. Il y aura deux équipes qui vont être constituées par un tirage au sort. B1, B1, tu vas trouver ta place près des filles là-bas. Allez, B4, allez, B4. Est-ce que tout le monde a tiré? Oui. Tout le monde est placé? Oui. Bon, ok. Bien, alors vas-y, Lucas. Lucas, vas-y, prends ça de jet de dés et on va définir le 7. L'objectif à atteindre, donc, est 7. Alors, je prends le pion de l'objectif, c'est celui-là. 5, 6, 7. C'est ça qu'il va falloir atteindre. Alors, vas-y, tire une carte. Hé, hé, attention. Bien. Histoire actualité numéro 8. Alors, tu vois, l'équipe adverse, c'est celle-là. Qui t'a envie d'interroger? Augustin. Alors, c'est Augustin. On y va. Tu lis la question posément pour qu'il puisse bien la comprendre. À quel degré du thermomètre l'eau devient-elle de la glace et à quel degré devient-elle de la vapeur? Aïe, aïe, aïe. Alors, à quel degré du thermomètre l'eau devient-elle de la glace? Première réponse. Est-ce que tu as une réponse à ça? Ouais. Laquelle? Zéro. Bien. Bien. Eh bien, écoutez, là, Augustin, t'as répondu deux fois bien. Alors, plus 4 points. Alors, qu'est-ce qui a permis 4 points? Il y a marqué construction de 5 usines permettant de dessaler l'eau de mer, de nouvelles ressources d'eau potable. Plus 4 points. Alors cette carte, eh ben, elle n'est pas tout de suite comptabilisée sur la planète. Non. C'est pour ça que c'est pas si facile que ça, le jeu. Ah. Elle est pour l'instant gardée par l'équipe. Et elle sera utilisée à quel moment? Quand on arrivera là. Non. Quand on aura. Quand vous aurez réunis 3 cartes de la même famille. Quand vous aurez gagné 3 cartes de la même famille, c'est à ce moment-là qu'on utilisera ces points et que la Terre commencera à se déplacer vers la zone espoir pour atteindre son objectif. C'est bien. Alors, c'est A, maintenant. Comment tu t'appelles déjà ? Inès. Inès, de lancer le défi au joueur adverse de son choix. On tire une carte à la savoir. Vas-y, Inès, c'est parti. Alors, Inès, t'as tiré quelle carte? Éco-citoyenneté, ce que je vois. Numéro 3. Alors, quel adversaire à qui tu voudrais poser la question? Dis-moi. Pierre-Louis. Pierre-Louis. Où il est, Pierre-Louis? Là. Il est là. Oui. Mm-hmm. C'est parti. Audiblement. Tu veux faire réduire la consommation d'eau du lave-vaisselle familiale. Mmh. Il y a une astuce simple pour gaspiller le moins d'eau possible. Ah. À chaque fois. Laquelle? Est-ce que tu as une idée qui te vient? Qu'est-ce que tu diras à ta maman si tu la vois faire le lave-vaisselle avant qu'elle le mette en route? Qu'est-ce que tu lui diras à ta maman? Faire la vaisselle à la main. C'est ta réponse? Bon, c'est une réponse pas mal, mais je vais vous donner la bonne réponse. C'est en fait remplir à chaque fois le lave-vaisselle au maximum. Mais oui. Eh oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme personne n'a répondu la carte, personne la récupère. Donc elle va, ah ouais, cette carte-là, elle va ici. Et là, voilà ce qui se passe. C'est que là, donc, il y a le jet de dés. Mmh. Bah, Pierre-Louis, Pierre-Louis, il faut que tu fasses au moins 10. Pour ne pas tirer au 10. Voilà, pour ne pas tirer que pour jeter une carte risque. D'accord? C'est parti. Attention, Pierre-Louis. Oh, voilà l'idée. Aïe, aïe, aïe. 7. Alors, je suis obligé de tirer une carte risque. Attention, la Terre va commencer à descendre. Attention. Oui, elle descend de 4. Oui, aïe, aïe. Sécheresse exceptionnelle dans 7 pays d'Afrique. Milliers d'enfants menacés, moins 4 points. Et tu vois, ça va descendre au début. Mais quand une équipe aura les 3 quarts de la même famille, il va arrêter de descendre. Donc, cette équipe aura sauvé l'élimination. Déjà. Première partie du jeu. Mais il faudrait. Et après, ça ne pourra plus descendre. À partir du moment où il y a 3 quarts de la même famille, ça ne peut plus descendre.
Ça ne peut que monter. Alors, c'est sur sciences nature. Ça, ça serait bien que vous la récupériez, ça. Là, 4. Sciences nature 4. Vas-y. À qui tu voudrais poser la question? Pas à ceux qui ont été déjà interrogés. Mathilde. Sciences nature, Mathilde. Allez, on se concentre. On y va. Sur les plages, il arrive que les algues poussent énormément à cause d'un produit apporté par les rivières voisines, le nitrate. À quoi a servi ce nitrate? Aux produits de lessive, aux engrais des champs, aux usines de plastique? Alors, moi je sais. D'après toi, aux engrais des champs, c'est la bonne réponse. Ça sert aux engrais des champs. Les algues s'en nourrissent et envahissent les plages où elles dégoûtent les baigneurs. Attention, combien de points pour récupérer? Mathis, à toi de la déposer. Attention, combien de points? Combien? Aïe, 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 c'est le maximum. Salut. Solidarité mondiale pour les pays en manque d'eau. Solidarité mondiale pour les pays en manque d'eau. Plus, ça mérite bien 5 points, ça. Oui. Vas-y. Imagine devant toi 100 litres d'eau qui représentent toute l'eau de la Terre. Les mers, les rivières, les glaces, tout. Dans ces 100 litres, combien y a-t-il d'eau potable? Un litre, un demi-litre ou encore moins? Sur 100 litres d'eau, combien y a-t-il d'eau potable après toi? Un litre. Un litre d'eau potable sur 100 litres d'eau. C'est ta réponse. Et qui est toi d'après toi? Est-ce que tu es d'accord avec la réponse? Qu'est-ce que tu dirais toi? Un litre? Un demi-litre? Ou encore moins? Un demi-litre? Eh bien, c'est ni l'une ni l'autre qui avait la réponse. C'est encore moins. Beaucoup moins d'eau potable. Vous imaginez le peu d'eau potable qu'il y a sur la planète? À peu près un fond de verre. Pour 100 litres, il y a un fond de verre d'eau potable par rapport à toute l'eau de la planète. Eh oui. Donc, la carte, vous savez où elle va? Où elle va la carte? Voilà. Je crois qu'on suit bien. Oh, faut qu'on fasse un livre. Mais, qui a mal répondu? C'est qui a été défié? C'est Inès. Inès, attention, il va falloir que tu fasses 10. Inès, prends ton temps. Envoie les dés, c'est parti. Aïe! 9. Pas loin. Et malheureusement, aïe aïe aïe, alors là, ça chauffe, là, il y a de moins, oh là. Ça devient tout riche, c'est moins 4. Moins 5. Moins 4. Le deuxième moins 4. Les accords internationaux sur la protection de l'eau potable sont dans l'impasse. Les pays ne s'entendent pas, et là ça descend à moins 4, 1, 2, 3, 4. Tout le monde descend, c'est ça. Parce que c'est la solidarité, tout le monde est dans le même bain, tout le monde sur la même planète, c'est pour ça qu'avec c'est un seul pion. Mais il n'y aura qu'un seul vainqueur, rassurez-vous. Si vous passez ici, on est mort. On est capoté. On est pour. Vous voyez ce que je veux dire? On va exploser. Alors, vas-y. Alors, à qui tu poses la question? Lucie. Alors là, vous avez bien compris. Vous avez bien compris que même si vous êtes des équipes qui vous opposez, vous souhaiteriez que Lucie réponde quand même bien pour éviter la carte risque. Nos cartes, on peut pas l'en donner. Donc, Lucie, c'est qui? Ça serait moi. C'est toi, Lucie? Oui, okay, je donne. Alors, à toi de jouer, Lucie. Vas-y. Aujourd'hui, en ville, chaque maison envoie ses eaux sales dans les égouts par des tuyaux. Cela s'appelle le tout à l'égout. Tout à l'égout. Mais depuis combien de temps est-ce obligatoire? 110 ans, 150 ans, 200 ans. C'est obligatoire depuis 110 ans, 150 ans ou 200 ans? 110. Oui! C'est la bonne réponse, bravo! Jusque-là, on jetait l'eau sale directement dans la rue. C'est ce qu'on a dit. Bravo. Alors là, c'est une bonne nouvelle. Parce que là, vous dites, pardon. Mais oui, bien joué. Deuxième. Bon, c'est bien. Valait mieux ça. Mais valait mieux ça que le contraire, croyez-moi. Et on tire une carte espoir. Qui la découvre, c'est celle qui a bien répondu. C'est bien. Oula. Ouais. Plus de points. Ah ouais, c'est bon ça. Voilà. Lucie, pose ta question. L'eau d'un glacier est-elle douce ou salée? Ah! Salée. L'eau d'un glacier douce. Est-elle douce? Douce. Salée. Non, douce. Parce que s'il y aurait du sel, dans la glace, ça aurait fondu. Oui. Et vous dites? Douce. Eh ben, c'est douce. Eh ben, c'est douce. Ouais. Alors là... Donc, on fait la comptabilité des points. Attention, combien vous avez récupéré de points, les amis? Deux. Deux. Et 4, ça fait 6. Et 5, ça fait 11. Et 4, ça fait 15. Ah, vous comptez de 15 quand même. 1, 2, 3, 4. Ouf, ça va mieux. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
14, 15. Ouais. Alors là, ça va mieux là. Là, ça va mieux. Et attention, c'est grâce à l'équipe, faut le dire, grâce à l'équipe. On a l'équipe numéro 1 que la Terre ne va plus descendre maintenant. Elle descend plus. Hein. Un oiseau touché par la mer est noire, plein de pétrole. D'après vous, il est condamné à mourir? Est-ce qu'il est capable de s'en sortir tout seul? Guérissable surtout si on l'aide. Maxime, tu es d'accord avec ce qu'elle a dit? Est-ce qu'il est condamné à mourir l'oiseau? D'après toi. On peut l'aider à s'en sortir. C'est la bonne réponse. Bon bah écoutez les enfants, vous avez été super. On fera une partie, ça je vous jure, on fera une partie. Alors dites-moi franchement, moi je reviendrai mais je veux savoir une seule chose. Est-ce que vraiment tout le monde a envie de sauver la planète aujourd'hui? Oui. Ok, n'oubliez pas vos sacs, je vous dis à bientôt. Au revoir, monsieur. Salut.